l'ancien des jours, mon Dieu, ne dors pas. Il est l'ancien des jours, mon Dieu, ne dors pas. C'est lui l'ancien des jours, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'ancien des jours, mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas, mon Dieu, ne dort pas. Il est l'ancien des jours, mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort ni le sommeil, mon Dieu, ne dort pas. Il ne dort pas, il est l'éternel mon Dieu, il ne dort pas, il est l'éternel rocher mon Dieu, ne dort pas, il est l'éternel rocher mon Dieu, ne dort pas, ne dort pas, ne dort pas, il ne dort pas, il ne dort pas. Jesus, oh, he need Jesus, oh, yeah, baby, you are, yeah, oh, yeah, baby, you need Jesus, I want my, come on, here, oh, come on, put Jesus, yeah, I see that, so, oh, I see that, so, oh, yeah, 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 je ne crains rien.
confiance est en Jésus. Lui seul est ma forteresse. Mon sauveur est éternel. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Même devant mes ennemis, je ne crains rien. Ma confiance est en Jésus. Lui seul est ma forteresse. Mon sauveur est éternel. Je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien, Christ est vivant, je ne crains rien. On va le dire ensemble. Je ne crains rien, je ne crains rien. Déclare-le, déclare-le. Même devant mes ennemis, je ne crains rien. Ta confiance est en Jésus. Lui seul est ma forteresse. Mon sauveur est éternel. Les cycles maléfiques sont brisés. Dis-le encore, je ne crains rien. Je ne crains rien devant les cycles maléfiques dans ma vie. Ces cycles-là sont brisés dans ma vie. Ah! Lui seul est ma forteresse. Lui seul est mon bouclier. Déclare-le encore. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Déclare-le avec foi. Ils peuvent envoyer la sorcellerie. Ils peuvent envoyer la sorcellerie. Mais l'Éternel est ma forteresse. L'Éternel est mon bouclier. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Non rien. Il n'y a rien, il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien. Christ est vivant. On va le dire avec le batteur. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien, Christ est vivant, je ne crains rien. Est-ce que tu peux le dire? Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien, Christ est vivant, je ne crains rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien sur cette terre. Déclare-le comme une prière. Déclare-le. Je ne crains rien. Il est fort, il est fort, mon Dieu, il est fort. Déclare-le, mon Dieu est fort, mon Dieu. Il est fort, il est fort, il est fort. Alléluia! Est-ce que réellement tu sais que tu sers un Dieu vivant? Et que tu ne peux pas craindre? Si réellement tu as la foi, tu crois que ton Dieu est vivant. Alléluia! Dieu aime ses enfants. Il est délivré de la souffrance. Dieu aime ses enfants.
Amen. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Quelqu'un a-t-il envie de bénir son voisin proche? I mean, I feel like you want to bless your close neighbor. Bénis autant de personnes que tu peux au nom and de Jésus. Bless as much as you can. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. May God bless you. Que Dieu t'arrose. May God water you. Que Dieu t'élève. May he uplift you. Et que Dieu te propulse. And may he push you out. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. May God bless you. Que Dieu t'arrose. May he water you. Que Dieu t'élève. May he uplift et qu'il te propulse. And push you out. Pour la dernière fois, dis à quelqu'un. Tell someone. Que mon Dieu te bénisse. May my God bless you. Que mon Dieu arrose ta vie, qu'il n'y ait pas de sécheresse dans ta vie. Let me know dryness. Que mon Dieu t'élève. May my God uplift you. Qu'il te propulse de l'avant. Push you up. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je veux que quelqu'un dise, il y en a qui sont déjà assis, ils sont déjà fatigués, je n'ai même pas fait de parler. Moi-même, je suis debout. J'étais debout même au bureau. Amen. Quelqu'un met sa main sur sa tête. Il dit, dans cette saison, in this season, je déclare que je suis béni. I declare that I am blessed. Je déclare que la bénédiction I declare that the blessing de l'Éternel mon Dieu of the Lord my God coule à flot dans ma vie. Shall overflow in my life. Parle avec assurance et autorité. Dis, je déclare ce matin I declare this morning que dans cette saison, en cette saison, season, mon corps my body, mon organisme, my physical body, et mes organes and my organs, sont en bonne santé. Je déclare sur ma vie en cette saison, in this season, pas de maladie, pas de crise, no crisis, dit au nom de Jésus, Jesus, pas de faiblesse physique, mais je déclare la force, l'énergie, la vitalité, et la santé, divine, et spirituelle, dans ma vie, au nom de Jésus. Dis trois fois Amen. 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 Toi seul acclame le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. You may please be seated. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes là pour prier. So we are here to pray this je vais donner morning. Les sujets qui vont nous faire prier. And I will encourage us to pray for this topic to come. Nous avons tout au long de cette semaine. Throughout that week. 7 jours de jeûne et prière et nous avons prié. For 7 days and we pray. Et le sujet principal que notre papa, la chevêque d'un communion, nous a donné, and the main topic that we prayed for out of the direction of the archbishop, les cycles maléfiques. Is breaking evil cycles. Briser les cycles maléfiques. Breaking evil cycles. Alléluia. Amen. Et dans la vie, in life, souvent nous nous retrouvons spirituellement ou même physiquement. Many times we found ourselves spiritually or physically dans un système qu'on peut appeler un cycle. And we may find ourselves in a system that can be called a cycle. Amen. Amen. Et cela régit notre vie. And this may cela nous bloque. Lead our life and even hinder us. Que tu sois chrétien, whether you are Christian, que tu sois pas chrétien, or not. Tu peux être piégé. You may be trapped. Tu peux être victime. You may be victim de ce système. Or this system. Et j'ai envie de dire démoniaque ou satanique. Or evil and devilish. De ce système de cycle. And this cycle. Où tu es dans un engrenage où ta vie tourne en rond. And it's like your life is going round. Ça peut concerner un domaine spécifique. It can be concerning a specific part of your life. Comme ça peut être général. Or even it can be a general. Il y a des gens aspect. Qui sont dans ce système de cycle maléfique là concernant les finances. I mean, some people are found in this evil cycle as far as finances are concerned. Il y en a, ça concerne le mariage. But some also is about marriage. Et il y en a d'autres encore, c'est la santé. Others is about health. Ça peut venir de la famille. It can even be from our familial background. Et ça peut être appelé héréditaire. And it can be something you inherit. Un cycle héréditaire que it. Tu as hérité, mais tu es dedans. It, you have inherited depuis from this tes arrière-arrière-parents. And your forefathers. Et tu es dans ce cycle-là.
And you parce are que c'est dans la lignée cycle. Sanguine. This is, you have inherited it. Ça peut être par ça peut tu peux entrer dans un cycle maléfique. You can enter an evil cycle. En tombant dans le péché. Falling in sin. Et le péché là te fait rentrer dans ce système. And sin may cause you to enter this evil cycle. Ça peut surgir par it can also come comment on appelle une désobéissance. Out of disobedience à une autorité supérieure to a superior authority ton père your father ta mère your mother ce matin j'écoutais l'archevêque notre père so this morning I was listening to our archbishop preaching et puis il a dit que and he said il y a des malédictions prononcées on va prier pour ça tout à l'heure il nous a demandé de prier pour cela pour ces choses là pour annuler il y a des malédictions prononcées déclarées par des paroles. So there are some curses that have been said on you. Et puis il y a des malédictions écrites. And there are also some written curses. Ça a été décrété, ça a été écrit. That has been decreed. Et puis ce qui est écrit doit arriver. And what has been written has to come mais to pass. Mais ce qui est intéressant and what is interesting dans cette affaire, in this aspect, c'est que ce soit déclaré, prononcé, whether a pronounce, que ce soit écrit, spoken, or even c'est written. Vrai que c'est puissant. It's true that it's powerful. Mais il y a une autre puissance qui est la puissance de notre Dieu qui est capable d'annuler cela et de briser, de renverser cela au nom de Jésus. To overthrow it and break it in the name of Jesus. C'est ça qui est intéressant. That is the most interesting qui a dit Amen. Amen. C'est ça qui est intéressant, quelle que soit la formule. Despite, I mean, tu mets ta foi dans le nom de Jésus. You have your faith, you put your faith la Bible dit à la mention Jesus. Du nom de Jésus, tout genou fléchira. Donc il dit ce qui est prononcé, what has been spoken, ce qui est déclaré, what has been declared, peut venir de ton père may come from your father, qui t'a maudit, I ou mean, de ta mère you, qui t'a maudit. Or from your mother, ça peut venir de ton supérieur, you. De tes maîtres. And it can also come from your masters. Masters. Yes, c'est ce qu'il a dit. Ça peut, il dit, I can prove it to you from the Bible. Je peux vous le montrer sur parce qu'il a dit que je peux vous le prouver dans la je Bible. Je peux vous le prouver dans la Bible. D'accord? Donc, on doit faire attention. So we have même to certaines be personnes, des malédictions peuvent venir même de leur patron and some avec qui ils travaillent, des boss. Some people may have curses from à cause their de ce qu'il t'a apporté ou bien il fait pour toi because ou bien il a apporté dans ta vie. He has, I mean, given or and you don't show gratitude. Et donc, vous n'êtes pas reconnaissant. Et vous ne montrez pas de reconnaissance et autres. And d'accord? You show gratitude to donc, ça peut him. Dériver de tout cela. And it may come from that. Mais il dit, aujourd'hui, but today, nous pouvons nous rapprocher de Dieu, nous repentir. And et la main de Dieu peut révoquer cela. Qui a dit Amen? And repent so that the Lord will take it away. Il dit, aujourd'hui, nous pouvons compter sur le Seigneur. We can rely on the Lord, nous approcher de lui avec humilité. And come to him with humility, et il va nous manifester sa grâce. And he will manifest his mercy to us. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous voulons prier we would like to pray now, pour boucler la boucle de 7 jours de prière. To end with the 7 days of fasting and prayer. Et nous croyons and we believe, que quand l'Éternel a donné l'ordre à son peuple, as the Lord commanded to his people, il a dit pour venir à bout de Jéricho, I mean to overcome Jericho, je vous ordonne d'y faire le tour 7 fois. To go round the city 7 times. Ne vous posez pas de questions. Ça paraît aberrant. Don't question ça paraît anything. Anormal. And you may not, I mean, be familiar c'est with it. C'est illogique. It might be even foolish. Mais je suis l'Éternel votre Dieu. But I am the Lord your God. Je vous donne des instructions. I command you. Trust me. Croyez-moi. C'est ça. Il dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Faites ma confiance. Faites seulement le tour. I mean, just go around the city. Trust me and do that. Et ils ont fait le tour 7 fois. And they went round. Il aggrave l'affaire le 7e jour, le dernier jour. And on the last day, il dit le même jour, il n'a pas de repos. So on that day, dans les 24 heures, faites 7 fois le tour. And on that very day, go around the city 7 times. Et la 7e fois du 7e jour. And the 7th time on the 7th day. Sous leurs yeux, ils ont vu le miracle de Dieu. Now they could experience the miracle of les God. Les murs de Jéricho sont effondrés, se sont écroulés. Alléluia. And the walls of Jericho collapsed. Et je crois que les 7 jours que Dieu nous a donnés, and I believe that the 7th day the Lord has given us, que nous avons observé jusqu'aujourd'hui, and that we have
À la fin de ces sept jours, je ne sais pas quelle forteresse il y a dans ta vie, mais moi je crois en la parole de Dieu, alléluia. Mais moi je crois aux instructions que nous avons reçues, que toute forteresse et tout cycle va s'écrouler et se briser au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Amen. Amen. Ça va s'écrouler et ça va se briser. It will collapse. Parce que nous obéissons à la parole de Dieu. Because we obey the word of God. Et nous mettons notre foi dans cette parole. And we trust that word. Alléluia. Amen. Donc pour prier. To pray. Aujourd'hui. Today. Nous allons prendre ces quelques sujets de prière. We'll take these prayer. Ces quelques versets. These verses. On va les lire d'abord. Let us comprendre read first. Et puis de rentrer dans ce temps de prière. And begin to pray. Allons-y dans le psaume chapitre 7. Let's turn our Bible to Psalm 7. Nous allons lire le psaume 7, 15 à 16 et Proverbe 26, 27. Donc pour ce premier verset, tiens-toi debout avec moi, ouvre ta Bible, alléluia. So prends ta Bible ou ton portable. Psaume 7. Psalm 7. Verset 15 à 16. Verse 15 to 16. La personne pour lui. Même mes pasteurs, personne absolument. Psaume chapitre 7, verset 15 à 16. Voici, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Amen. So in English is verse 14. Behold, he traveled with iniquity and has conceived mischief and brought forth falsehood. He made a pit and dig it and is fallen into the ditch which he made. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. May God bless avant de passer word. À Proverbe 26, 27. So before going to Proverbe 26. La Bible dit, voici behold, ce que le méchant fait. The evil one doing. Il prépare le mal. He prepare evil. Le méchant prépare le mal. The evil one prepare evil. Il conçoit l'iniquité. He conceive iniquity. Vous vous souvenez que you remember that Joseph a dit à ses frères, Joseph told his brothers, vous avez médité de me faire le mal, ils ont préparé, ils ont orchestré me. La chose I mean, you pour le faire tomber. I mean, to cause me to parce fall qu'il a down. Parlé de son rêve. He spoke about his dream. Il a parlé de sa vision, he spoke about his la vision que Dieu lui a donnée. The vision the Lord granted to him. Il dit, mais Dieu l'a changé en... But God has turned est-ce que it tu around. Es là avec moi? Est-ce que tu connais ce verset? Are mais Dieu l'a changé en... God has turned it around. Vous avez, vous mes frères, mes propres frères, you, my brothers, vous ne voulez pas me voir monter. You did not want me to go up. Mais ici, la Bible parle de même de celui qui est méchant. But the Bible is talking here about the evil il y a des gens one. Qui sont avec nous, mais qui sont méchants. Some people are with us, but they are evil. Très proches, mais méchants. Very close, but very il prépare evil. Le mal, il pense le mal. They il ne veut pas te voir aller loin. Evil, il ne veut pas te voir réussir. They don't want you to succeed. Ça, ce sont les versets que... Notre Père nous a donné. Hein? So these are okay. The verse provided by our Father. Il dit, il conçoit l'iniquité. Ils vont jusqu'à réfléchir, concevoir, mettre une stratégie en place pour te voir tomber. They travel it with iniquity so that they conceive mischief for you to fall down. Mais gloire à Dieu. But glory be to God. La Bible dit, ils font tout ça. But they do mais everything. Ils enfantent le néant. Alléluia. Je déclare ce matin, quiconque a préparé quelque chose contre ta vie, someone que ce soit des has... mauvais esprits, que ce soit des hommes ou que ce soit dans ta famille, je déclare et j'annonce, ils vont enfanter et produire le néant au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire tout ce qu'ils sont en train de faire là, ça ne va pas produire. Qui a dit un plus grand même que ce que je viens d'entendre? Ça ne va pas produire, c'est ce que Dieu dit. Dieu dit, ils n'ont qu'à faire. Dieu dit, ils n'ont qu'à concevoir. Mais ils vont enfanter le néant.
C'est pour cela que la Bible dit toute arme forgée contre toi. Quelqu'un peut m'aider à haute voix. Toute arme forgée contre toi. Any arm forged against you. Tu peux dire plus fort que ça. Toute arme forgée contre toi sera. Toute arme forgée contre toi. Au nom de. Ok. Ils ouvrent une fosse. Ils creusent, c'est le verset 16. Et ils tombent dans la fosse qu'ils ont faite. He made a pit and digged it, and is falling into the ditch which he made. Quand Dieu est avec toi, when God is with you, ne crains rien. Don't be afraid. C'est pour cela que tu dois garder ton alliance avec Dieu. Then you will keep your covenant with God. That's why you have to keep this covenant. Quand with Dieu God. Est avec toi, when God is with you, quand Dieu est pour toi, when God is for you, on t'attaque même plus. I mean, you are being more attacked. On te met des pièges devant. And they put traps. On te fait des croques en jambes. They will, I mean, put banana on te fait you. Tout cela. They will do everything to mais you. But Dieu fait de sorte que God toi, sure tu ne tombes pas dedans. You will not mais celui qui pit. A creusé tombe dedans. The one who dans cette saison, j'annonce et je déclare I announce in quiconque season, a creusé ou bien quiconque est en train de creuser ta tombe ou bien un trou pour or, toi, I mean je déclare et j'annonce selon la parole de Dieu, lui-même et sa descendance tomberont dedans au nom de Jésus. Est-ce que tu crois en cela? Are you believing it? Ça, ce n'est pas ma volonté. Hein. Ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. It's not c'est me. La Bible qui dit. The Bible et je déclare avec assurance ce and que la Bible dit. With assurance, avec conviction, avec foi. With conviction and faith, je ne m'appuie pas sur la parole des hommes ou des philosophes relying, ou des politiciens. I mean, relying on any philosopher or any word mais from je m'appuie world, sur la parole de Dieu. But based on the word of God, quiconque whosoever a creusé un trou has dig a pit pour que moi je tombe dedans. So that I may fall ma famille nous tombons, it, nous soyons enterrés prématurément. And that me and my family will be buried prematurely. J'annonce qu'il est plus qualifié que moi sur la base de la parole de Dieu. Qui I a dit Amen? That quelqu'un déclare avec moi. Dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Dis au nom de Jésus avec autorité. Quiconque a creusé une fosse. Creusé une fosse. Pour me faire tomber. Pour me faire tomber. Dis, je déclare. Je déclare. Selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Il tombera lui-même dedans au nom de Jésus. Lui et sa descendance. Lui et sa descendance. Est-ce que tu peux dire avec autorité au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Hmm. Est-ce que tu crois ça? Ce verset. C'est la délivrance de quelqu'un. Alléluia. C'est le message de Dieu pour quelqu'un. Yes. The message of God for someone. Amen. Amen. Lisons. Let's read. Proverbe 26, 27 avant de nous asseoir. Proverbe 26, 27. Celui qui creuse une fosse, y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. Mm. Whosoever diggeth a pit shall fall therein. And that rolled a stone. Dieu insiste, les deux versets se rejoignent. Reprends pour moi. Celui creuse une fosse, il tombe, et la pierre revient sur celui qui. Celui qui creuse un trou, lui-même tombe dedans. Whosoever digger a pit shall fall therein. Et puis l'autre phrase dit quoi? Celui qui roule. Et la pierre revient sur celui qui la roule. And he that rolled a stone. Vous voyez que celui qui lance une pierre. En haut, la pierre revient sur lui. And if you throw a stone up, it will come down to you. On dit la pierre que tu lances à quelqu'un. And as you throw a stone to someone, faut attendre à ce que la pierre te revienne, parce qu'il aussi peut récupérer. To send it il n'avait back pas to de you. Pierre, mais Dieu a donné une pierre qu'il a ratée ou bien qu'il a tapé. Il peut récupérer ça aussi, donc and ça va revenir. It can send it back to the sender. La même manière, la Bible déclare, c'est Dieu qui dit. And God is saying, ne tue pas quelqu'un. Donc celui qui tue par l'épée, the one who killed by a sword. Quelqu'un peut m'aider? Touche ton voisin, dis mais est-ce que tu es présent? Are you here? Are you here? Comme les enfants le disent, ou bien c'est ton floco qui est là. Alléluia. Amen. La Bible dit celui qui tue par l'épée, he that killed by fera quoi? Sword. Périra. Shall be killed by a sword. Alléluia. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, là, faites-le pour les autres. What you want others to do for you, you do it also for others. Donc, je ne sais pas qui est en train de creuser.
So I don't know ne who is pas. Digging. Même si on t'a informé, ne Even crée pas. If you have been informed. Même si tu n'es pas informé, Even ne crée pas. You are not informed. Ainsi parle l'Éternel. So quand il aura fini de creuser, as they have finished il y a un ange qui va le pousser dedans. Lui-même, il tombera dedans au nom de Jésus. That will push him into that pit. Il y a la main visible de l'Éternel qui va le pousser dedans. The lui-même, il tombera. Il ne saura même pas comment il a fait, mais il est dedans. Alléluia. Par ce verset, j'annonce la délivrance d'une famille. J'annonce la délivrance d'un couple. J'annonce la délivrance d'une personne. J'annonce la délivrance de l'Église. Donne un amen retentissant qui touche le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Ma Bible dit, My Bible says, et je crois, and I believe, qui est en train de rouler la pierre chez moi? So qui est en train de me lapider? Divinement, les pierres retournent à l'envoyeur. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Mais please be seated. C'est avec ces versets, dans les minutes qui suivent, In the minutes to come, nous allons prier. We will pray. Hallelujah. Amen. 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 Est-ce que tu es là? Amen. Amen. C'est avec ça que nous allons prier. We are praying with Maintenant peace. Que nous sommes bien assis, As we are well seated. On va aller avec les. Aujourd'hui, c'est essentiellement les versets que Papa a donné pour les 7 jours de prière. So, et puis les deux derniers verses. Que j'ai reçus dans la semaine. Nahum chapitre 1 verset 9. Nahum 1, 9. Après ça, nous allons lire Lamentation 3, 5. Et puis, je lis les deux autres versets. Nahum 1, 9, que nous connaissons Nahum plus ou moins. Nahum 1, 9. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. What do you imagine against the Lord? He will make an utter end. Affliction shall not rise up the second time. Amen. Amen. Je voudrais qu'on reprenne ça pour moi en français. Nahum 1, verset 9. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Amen. Amen. Ce verset est mystérieux. C'est très mystérieux. Is a mysterious one. Que méditez-vous? What are you planning contre l'Éternel? What are you planning against the Lord? Écoutez-moi, qui peut oser? So who can dare? La seule personne, the only one, le seul être, the only qui a osé, who tried, ne serait-ce que méditer, even plan a little, le mal contre l'Éternel, against the Lord, ou quelque chose de négatif contre l'Éternel, something evil against the Lord, a été déchu. Has been cast down et précipité de son poste and cast down from where jusque he sur was, la terre. Son nom c'est Lucifer. And his name is Lucifer. Il a commencé à penser he started thinking, si je pouvais prendre son trône, if I could take the throne of the Lord, si je pouvais me lever au-dessus de Dieu, de celui qui t'a créé, beyond the one who made me. Si je pouvais prendre sa place. If I could take his position, après, il a poussé le pion un peu plus loin que ses réflexions, sa conception. According to his thinking, comme il était en charge de plusieurs anges, as he was il allait in les voir. Charge of many angels, dit, he went avec to see them. La puissance que je déploie, with the power that I have, je peux gouverner ce ciel. I can lead. Je veux prendre la place heaven. De Dieu. I want to take the position dit, of God. Il a pensé seulement. He just talked. Les gens se sont associés seulement à lui. And now the people, I mean, gathered with Ils him. Ont été déchus de leur They position, de leur statut, de leur autorité. From their position. Et ils ont été chassés du ciel. And they were cast away Donc la Bible from dit, heaven. Amen. Qui Who peut méditer contre l'Éternel? Can imagine something against the Lord? Personne. No one. Donc comme ce n'est pas possible, en As fait, it is not possible, qui parle de Dieu parle de son peuple. Qui parle de son peuple parle de lui. Who talk about God, speak about his people, and speak about he, the Lord. Dieu God est toujours un avec son peuple. Is always pairing with his people. Entre le peuple de Dieu et Dieu, c'est un mariage, c'est and une alliance. Between God and his people, there's a covenant. De la même manière, a marriage. Donc l'homme et la femme, qui sont deux personnes distinctes, and quand ils entrent en alliance, c'est-à-dire par le mariage, sont un. In the same way, man and woman become one out of marriage. Okay.
sont un. C'est comme ça que Dieu est un avec son peuple. It is that same way that God is two is one with his people. On est d'accord? Amen. Christ est Dieu. Christ is Jésus God. Est Dieu. On est d'accord? Jesus is God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Je vois qu'il lève la main. Je vais voir qu'il n'est pas d'accord. I mean, agreeing with me. C'est bon. Good. On peut continuer. Et il identifie son être à l'église. He identifies his body. Ce qu'on appelait le peuple de Dieu hier, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, those who were called the people of God in the Old Testament, c'est ceux-là qu'on appelle l'Église aujourd'hui. Those now are called the church. Ecclesia, qui veut dire l'assemblée. Ecclesia, the assembly of people. Et dans la Bible, il est toujours dit l'assemblée des saints. Assemblies of the saints. Nous qui avons été sanctifiés, justifiés par le sang de Jésus. Alléluia. Those who we who have been sanctified. Il dit cela, c'est moi. Je m'identifie à eux. C'est mon corps. I identify myself to him, to them. Donc qui dit who Dieu, God, qui dit Jésus-Christ, Jesus Christ, dit les rachetés. I mean, talk about dit the l'Église, one, the church. Il dit je suis de ce même corps là. I am vous from faites the maintenant same partie flesh. De moi. You are mais vous êtes of le me. Corps, je suis la tête. You are the flesh, nous sommes un. The head. Qui are... peut méditer contre le peuple de Dieu? C'est who ce que ça veut dire. Can plan something against the people quiconque of God. Se lèvera. Whosoever il dit à Pierre, arise, je bâtirai mon église. And I shall build my church. Cette église, c'est mon corps. And this church et is les my body. Portes du séjour des morts. And the gate of hell. Gouverné. Govern. Contrôlé. And directed. Dirigé. Directed par le diable. By the devil. Ne prévaudront point contre l'église. Alléluia. Prevail against donc it. Si le diable avait toute sa puissance ne peut rien contre l'église. And with all his power, the devil cannot do anything against the church. Quel est ce pouvoir terrestre? Who is that? I mean, quel est ce power? Ou cette organisation qui peut contre l'église? Which organization can do evil to the church? Personne. No one. Donc ici, here, la Bible est en train de dire. The Bible is saying, qui peut méditer contre le peuple de Dieu? Who can imagine something against the people un, of God? Ça veut dire personne. No one. Deux. Secondly. Ça veut dire it means, aucune mauvaise méditation, no evil planning, aucune mauvaise imagination, no evil imagination, aucune mauvaise pensée, no evil aucune thoughts, mauvaise conception, no evil contre les enfants de Dieu ne peut prévaloir. The children of ça n'aboutira God pas, ça ne marchera it pas, not ça walk, ne s'accomplira pas not come au to nom pass, de Jésus. In the name of Jesus. Et il dit c'est l'Éternel qui détruit. Is the Lord who destroys. Quiconque va avoir ses pensées and pour détruire le peuple de Dieu. Will think about destroying the people of God. C'est contre Dieu, il a ses pensées là et it's il pense qu'il peut détruire God Dieu. That is having these thoughts. Et Dieu and God le détruira. Will destroy him. J'annonce à quelqu'un I announce to someone que dans cette saison, that in this season, tout destructeur qui se met devant toi, any destroyer tu ne pourras pas le détruire parce que ce n'est pas par ta force. I mean, you will not destroy him through mais le Dieu your que tu sers, le Dieu que tu vas invoquer ce the matin, God you will call upon this le morning, Dieu qu'on invoque depuis le lundi, the God we have been calling se lèvera et les détruira. Qui a dit amen? And destroy them. C'est l'Éternel qui détruit. En fait, il est en train de garantir. Now is a guarantee. Il est en train de les garantir. He's warning them. He's warning them. Il est en train de les avertir. So hey, he's warning c'est them. Mon peuple. This is my people. Et je suis le ténèbre qui détruit. The, I am the Lord who et destroys. Personne ne peut reconstruire. And no one can donc libérez mon peuple. So set my people je déclare free. Qu'à cause de cette parole, I declare that je déclare qu'à that cause word, de ce verset, that because of that une vie qui était supposée est détruit dans cette saison parce que tu reçois ce message. Je prophétise et je déclare tu ne seras pas détruit au nom de Jésus. Je déclare ton mariage ne sera pas détruit au nom de Jésus. Ta relation avec Dieu ne sera pas détruite au nom de Jésus. Est-ce que je peux aller plus loin? Ton travail ne sera pas détruit. Tes affaires qui sont en train de balancer, qui sont en ballottage, j'annonce, je déclare, ne seront pas détruits. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit que and the Lord said, l'affliction, affliction, la détresse, affliction, peut venir. May come. C'est vrai parce que nous sommes sur la terre. Because we are here on earth. Et nous pouvons être sujets à beaucoup de choses. And we can also go through a lot. L'affliction peut venir. Affliction may come. Mais moi, l'Éternel, je ne permettrai pas que l'affliction vienne deux fois. But I, the Lord, will not allow affliction to come a second time. Je veux dire qu'il y a des afflictions. I
This to say that some afflictions, il y a des détresses. Some mistress. Quand ces détresses ou ces afflictions viennent deux fois dans ta vie. But when this affliction plusieurs fois dans ta vie. Or many time c'est in your un life, signe de malédiction aggravée. Is a very serious curse in your life. Que toute forme de malédiction aggravée sur la vie de quelqu'un soit arrêtée et brisée par la main de l'Éternel. Any serious curse over your life is canceled and stopped by the hand of the Lord. Il y a des gens qui sont sous malédiction. Some people are cursed. Il y a des gens qui sont sous malédiction. They are cursed. Et c'est pas facile. And it's not easy. Et ça va plus loin maintenant, ils sont sous malédiction aggravée. And now this curse reach a que toute forme de malédiction, any type of curse, dite aggravée ou pas, whether serious or prenne not, fin dans la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Now, in the name of je Jesus, parle de ta vie. Que cela prenne fin life, dans ta vie ce matin au nom de Jésus. There is talk. Quelqu'un lève les deux mains, fait comme ça. Je suis libéré de toute forme de malédiction aggravée. Je suis libéré de toute forme de malédiction aggravée. Alléluia. Vous savez, il y a des esprits qui s'entêtent. I mean, they are stubborn spirits. Nous voulons nous lever contre ces esprits. We like to arise against them. Le Seigneur dit, la détresse ne paraîtra pas une seconde fois. The Lord said, affliction shall not come a second time. Mais on voit que l'affliction vient dans nos vies une fois. We see that deux fois, come trois once, fois. Twice, quelqu'un thrice. Dit ce n'est pas normal. This is not normal. Et je refuse cela dans ma and vie. And I refuse it in my life. Si c'est normal pour toi, moi j'ai pas de problème. So mais je parle à ceux you, qui comprennent avec moi selon la parole de Dieu que ce n'est pas normal. It's not normal. Donc tout ce qui n'est pas normal dans ta vie, anything that is not normal from ce your life, matin, this morning, où tu as bravé la pluie pour venir, as you went, you came que Dieu the change l'ordre des choses pour ramener les choses may à la normale. Things around and bring it to normal. Au nom de Jésus. The name of Jesus. On nous dit we dans la Bible qu'on annonce au Seigneur that we announce que to the Lazare Lord, est malade. That Lazarus is sick. Il dit cette maladie ne he mène said, pas à la mort. This sickness will not quand lead Dieu to dit death, quelque chose, la chose arrive. When God says something, it comes to pass. Mais on voit que cette maladie l'a amené à la mort. But we see that this sickness led him to death. Est-ce que c'est normal? Is it normal? C'est pas normal. That one is et not. Ce qui n'est pas normal, Dieu n'accepte pas. And what is not normal, c'est inacceptable. God will not accept it. Je suis en train de dire qu'il y a la situation dans laquelle quelqu'un est ici qui est inacceptable. And I'm telling you that you are in a et parce que c'est inacceptable, that cannot be accepted, le Seigneur s'est levé un matin. And because it's not acceptable, là où la situation s'est empirée, up the, morning, il dit ça ne devait même pas avoir lieu. It should not even come to pass. Et ça a eu lieu. But it came jusqu'à ce que ça s'est empiré, and now he has le Seigneur s'est levé. The Lord woke il up, est allé avec ses disciples and he went et il a disciples, réparé la chose. And he il a remis back, les choses en ordre. He put ce matin, order, que ton morning, Dieu se lève en may ce jour du Seigneur arise, et qu'il vienne avec son armée. And he came, tout ce qui a été déprogrammé army, dans ta vie, anything that has been unplanned in your life, tout ce qui a été déformé dans ta vie, anything that has been, qui se lève et ramène l'ordre au nom de Jésus-Christ. May he bring it back to normal. Qui se lève et repositionne les choses au nom de Jésus. May he bring it back to normal. La terre était vide et informe. And the earth was, Dieu dit, ce n'est pas comme ça que j'ai conçu les choses. God say, it's not that way that ce n'est pas normal. It's not normal. Dieu s'est levé God et il a commencé à donner une forme and he started à la terre. Il a commencé à donner une nouvelle vie. Ce matin, est-ce que je peux annoncer quelque chose dans la vie de quelqu'un? Si tu entends ces paroles, si tu entends ce message, c'est que Dieu se lève et là où il n'y a plus de forme dans ta vie, il vient donner une nouvelle forme. Alléluia. Dieu se lève. God arise. Et là où le diable envoyait le désordre, and when the devil là où les choses de la vie envoyaient le désordre, where things of life have la main chaos, de l'Éternel, the Lord's hand, je dis la main de l'Éternel, the Lord's hand, la main du Tout-Puissant, the Lord, sa droite the triomphante, vient dans ta direction et ramène l'ordre. Que tout ce qui est désordonné dans ta vie revienne en ordre. That is not in order in your life, bring back to order. Alléluia. Amen. On a bougé les choses dans ta vie.
thing has been tout ce qui concerne le mariage est désordonné. Ta beauté est égale à ta laideur. Disorder, and your beauty has become, ugliness. Alléluia. Amen. Ton élégance est égale à une déformation. And your beauty, your, I mean, your, moi, je lève la voix, je prie que le Dieu que tu sers étende sa main et ramène ta beauté à sa place et ton élégance à sa place. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Notre Dieu our God est un Dieu d'ordre. A God of order. Non seulement il veut qu'on fasse les choses en ordre, not only does he want us, mais il est celui qui orderly, ramène l'ordre là où il n'y a plus d'ordre. Who bring order where there's no order. Alléluia. Amen. Qu'il ramène l'ordre dans ta vie au nom de Jésus. May he bring things back to the qu'il order. Ramène l'ordre dans ta vie au nom de Jésus. May he bring things back in order. Ok, je vais lire un dernier verset qui nous a été donné et puis on va expliquer, ça, on va commencer à prier. So, a last verse. Non, un avant-dernier. Last but one. Lamentation chapitre 3, verset 5 à 7. Lamentation. Lamentations. Il a bâti autour de moi, il m'a environné de poison et de douleur. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné, on parle de l'ennemi quelque part là, de poison et de douleur. He has built against me and compassed me with gall and travail. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. He has set me in dark places as they that be dead of old. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. He has edged me about. Merci. That I cannot get out. Amen. He had made my chain heavy. Quand nous-mêmes on prie avec le Père avec ça, il a expliqué quelque chose qui est très intéressant. As we were praying with the Father, he said some things. Il a bâti autour de moi. He has built around me. Il m'a environné de poison et de douleur. He has compassed me with guilt and travail. Il y a des gens comme ça, on a bâti de mauvaises choses, de mauvaises réputations autour d'eux. And they have built bad reputation around them. Ça envoie mon esprit quelque part. It sent my spirit somewhere. Dans les années en arrière, on priait pour quelqu'un, on faisait la délivrance. Some years back, we were praying for someone. On faisait la délivrance. And we were making deliverance. C'était une femme. It was a woman. L'esprit se manifestait, se manifestait. And l'esprit a commencé à parler. And he started to speak. On posait des questions, on l'interrogeait pour les chercher. And we were putting questions to this spirit. Et l'esprit dit, and the spirit said, cette femme ne sera jamais aimée. C'est-à-dire physiquement, on ne peut pas imaginer ça, naturellement, normalement. Can never be loved. And physically, we could not imagine that. Elle sera jamais aimée. She elle ne sera jamais appréciée. She will never be appreciated. Elle va souffrir. And she will suffer. Donc vous voyez quand un démon parle comme ça, nous on veut comprendre aussi les choses. And when a devil speak like that, on pose we des want questions. To understand and we put des questions. Fois, il nous envoie à gauche, il nous envoie à droite. And he mais il a fini par répondre. Il dit, c'est said, moi qui ai fait ça, on m'a envoyé pour cela. And I have been sent to, for that. Toi, tu es qui? Who are you? Il dit, il ne se présente pas. I'm not je ne dis pas mon anything. Nom. I will not say on my l'a name. Bombardé de feu, il a mentionné son nom. And now we prayed fire against him and he mentioned croyez-moi, his name. Son nom n'est pas important pour qu'on dise ça à la chair ici. C'est le nom de Jésus qui est important. Qui a dit Amen? The name of Jesus, that's the most important thing. Et puis on dit, on t'a envoyé pour faire quoi? Il dit, on m'a envoyé pour mettre une mauvaise odeur I was sent sur elle. To put a bad donc moi, smell la femme que vous voyez là, on her. Elle est entourée de mauvaises odeurs. And she had a very bad smell. Elle peut mettre tous les parfums du monde. She can put all type of perfume. Au nez. I mean, to the smelling. Aux yeux des gens, bien au nez des gens, elle ne sentira jamais bon. To the eyes and even to the smelling of others. C'est spirituel. She will never smell good. Tu mets tous les noms de parfums connus. You can put any type ça of perfume. Ça peut sentir bon toi, tes narines. And you can smell it good. Mais les bonnes personnes. But good people. Devant qui ça doit sentir bon and pour que tu sois apprécié. It should smell good for pour que tu sois épousé. Appreciated.
and even to pour be que loved, tu sois aimé and to be married, ou bien accepté, or accepted, à leur nez, ça sent mauvais. So they are, il y a des gens qui sont environnés de choses comme ça. Smell bad. Mais ce matin, Dieu ne t'a pas envoyé au culte en vain. Alléluia. Dieu ne t'a pas envoyé au culte en vain. Toi, tu peux être environné d'autres choses que les mauvaises odeurs. You have to be surrounded by other things but evil smelling. Mais quelles que soient les mauvaises choses ou les choses maléfiques avec lesquelles tu as été entouré, sur la base de cette parole de Dieu que je viens de lire, je lève la voix et je brise cela dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que tu sois libéré au nom de Jésus. Il y a des gens qu'on a environnés d'un esprit ou bien d'une puissance de refus. D'un esprit de refus. Ils font de bonnes choses. Ils font des choses excellentes. Et puis on apprécie. Wow. Oh, excellent. Excellent. Magnifique. Grace. Vraiment, ça nous a touchés. It touched us. Mais on est désolé. But, sorry. Ça vous a touché. Vous êtes désolé pourquoi? So we are sorry for what? Et celui qui vous a pas touché là, vous n'êtes pas désolé pour lui. Vous le prenez. Did not touch you, et pour moi qui vous a touché, him. Vous êtes désolé. But the one who touched you, you que cet esprit de désolation là soit annulé au nom de Jésus. Que cet esprit là soit arrêté au nom de Jésus. Je dis que cet esprit là soit arrêté au nom de Jésus. Que cet esprit soit repoussé, chassé au nom de Jésus. And cast away in the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. On est désolé. We are sorry. Il y a des gens qui n'ont rien fait. Vous voyez pas un peu? So some people did not do anything. Vous ne le connaissez pas. You don't know them. Il vous a jamais dit bonjour. He never even spoke to you. Je sais pas, mais lui là, il m'énerve. But this person, I don't feel. Il m'énerve. I don't like him. Ce sont des esprits qui font ça. I mean, these are spirits. Et puis toi, tu peux pas expliquer. On dit, mais faut dire qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il I mean, a tell, je sais pas. Say what he did. Mais je veux pas le voir. I don't just want to see him. Quand je le vois même, when I see him, I am so upset. Pourquoi pas le faire sortir d'ici? Il y a des choses comme ça qui suivent des gens. And there are some things following other some people. Saint-Esprit, que ta main arrête ces choses dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Things in the name of Jesus. Vous pouvez avoir des produits. You may have some products. Que vous vendez les mêmes produits que tout le monde vend. Quand toi tu as attrapé le produit là, products that ce n'est plus bon. As long as you take it, mais dans la main des autres, it's spoiled. C'est bon, tout le monde achète. I mean, when mais dans ta main seulement, people are buying. But s'il y a quelqu'un ici qui est victime de ces choses, je brise cela au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un ici qui en est victime, je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Ça veut dire que spirituellement, on a bâti des choses autour de toi. They have surrounded you with some il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. He built against me and compassed me with guilt and travail. Il m'a environné d'échecs et de non-accomplissement. And he has surrounded me with failure and non-accomplishment. Mais à la fin de toute chose, but at the end of it all, l'Éternel donne la victoire. The Lord give us je prie victory. Que l'Éternel te donne la victoire I ce matin. Pray that the Lord will à la give fin des pères là, ce matin, que Dieu te donne la victoire may sur ces choses. Que Dieu te donne le dessus sur ces choses. May he give you upper hand. Il me fait habiter les ténèbres. He set me in dark places. Comme ceux qui sont morts dès longtemps. As they that be dead of old. L'esprit de mort se manifeste de plusieurs manières. The spirit of death manifests many ways. Il peut te pousser à la mort, te pousser au suicide. He can push you to death or suicide. L'esprit de mort vient pour que l'on parte avant son temps, and prématurément. The spirit of, death may come for you to die prematurely. Mais l'esprit de mort a une autre manière de travailler aussi. And the spirit of death has other way to work. Quand cet esprit vient sur toi, cet esprit peut venir sur toi. May come on you, et puis, tu existes. You are there. C'est comme si tu n'existes pas. It's as if you were not there. Et pour les gens, tu es mort. And for many people, you are dead. Tu as, on t'a oublié. You are forgotten. Tu as oublié. You are forgotten. Quand tu appelles quelqu'un, hey, mon gars, tu es là. And when you call, ah, are you there? Moi, je te pensais loin. I thought you were not even here. C'est-à-dire, même si on veut t'aider, even when they want même to si help y a une you, opportunité and there is an qui est bonne pour toi, puisqu'on ne se souvient pas de toi, and they don't even remember you, on ne t'appellera pas. You will not be called. Que cette malédiction-là quitte sur ta vie. Curse, je dis que cette malédiction-là quitte sur ta life, vie. Que cette malédiction-là quitte sur la vie de tes enfants. Je dis que cette malédiction quitte sur la vie de tes enfants. May he live your life, the life of your children. Au nom de Jésus. The name of Jesus. Donc pour qu'on puisse prier, je termine. Il m'a entouré d'un mur. He has
hedge me pour que out, je ne sorte pas. That I cannot get out. Il m'a donné de pesantes chaînes. He had made my chain heavy. Il y a deux autres versets que je vais donner pendant la prière. I will pray, we'll receive two Alleluia. More verses. Tiens-toi debout avec moi. Tous ceux dont la vie a été entourée. And all those whose life have been surrounded. Limitation. Limitations. On a entouré. You have been surrounded. Et puis tu ne peux pas progresser. And you can no more move forward. Tu ne peux pas avancer. You cannot move ahead. Souvent, c'est ton domaine. Many times, it's your domaine. Your competence. Tu es compétent là-bas. You are, you master it. Tu maîtrises là-bas. You master it, the thing. Mais, unfortunately, on t'a enfermé. You have been closed. On t'a enfermé. You have been Ce sont hedged. Des réalités spirituelles. These are spiritual realities. S'il y a des gens qui doivent comprendre ces choses, if you have to understand these things, c'est nous les enfants de Dieu. It's we, the children of c'est nous God. Qui devons comprendre ces choses. We have to understand et puis nous lever contre ces choses. And arise against them. Et papa a dit, priez contre ces choses. He said, pray against this. Afin que personne ne reste enfermé. So that no one will remain afin hedged. Que personne ne reste limité. And no one will be limited. Afin que personne ne reste emprisonné. No one will be in jail. Je prie I pray que Dieu fasse grâce à quelqu'un ici that ce matin. God be merciful to someone. Thomas, tu sais que tu luttes. You know that you are struggling. Tu marches. You walk. Aucune progression. No moving tu forward. Cours. You run. Aucune avancée. No forward. Enfermé. You are closed. You are hedged. Entouré. You are surrounded. De murs. Of by walls. Enchaîné. Chained. De chaînes pesantes. With heavy ones. Mais aujourd'hui. But today, tout fardeau sur toi, any tout poids sur toi, any est même en train d'être levé avant que nous commençons à prier. Est en train d'être levé avant que nous commençons à prier. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite pour dire Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Lève bien ta main droite, dis Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Lève la main droite, dis Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Lève la main droite comme la main de la victoire. Lève la main droite et dis, je déclare la victoire. Je déclare la victoire. Je déclare ma victoire. Je déclare ma victoire. Sur tout ce qui a été cité. Sur tout ce qui a été cité. Tout ce qui a été mentionné. Tout ce qui a été mentionné. Dis, je déclare ma victoire. Je déclare ma victoire. Mon Dieu me donne la victoire. Mon Dieu me donne la victoire. Sur toutes ces choses. Sur toutes ces choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je crois que la main de l'Éternel. Que la main de l'Éternel. Parle avec audace, dis la main de l'Éternel. La main de l'Éternel me localise, me localise et me fait sortir, et me fait sortir de ces choses. De ces choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis ce matin, dans ma prière, j'annonce ma délivrance. J'annonce ma délivrance. Dis, je proclame ma délivrance. Je proclame ma délivrance. Je proclame ma délivrance. Je proclame ma délivrance. Garde les mains levées, ferme les yeux. La Bible dit que Jésus a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer et pour proclamer une année. Il y a des choses, on proclame pour qu'elles arrivent. Yes. On annonce pour qu'elles arrivent. Yes. En proclamant, en annonçant, c'est une manière de les appeler et puis yes. Les choses viennent. As we proclaim, we call these things to come. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous aussi nous voulons, avant de commencer à prier, proclamer. We want to proclaim. Et annoncer de bonnes choses dans notre and vie. Qui a dit amen? Good things in our lives. Nous voulons annoncer les promesses de Dieu, déclarer les promesses de Dieu and dans notre like vie. To declare the promises of God. Nous voulons les décréter. And we like to decree them. Et nous savons que parce que ce ne sont pas nos paroles, mais and c'est la parole de Dieu, based on the word of God, ces paroles-là du Seigneur que nous déclarons vont s'accomplir. Qui and a dit amen? Word of the Lord shall come to pass. Lève ta main. Lift up your hands. Et pendant que ta main est levée, as you have, you je veux que tous hand. Nous prions en esprit pendant un moment. Les bras, la main levée, nous commençons à parler en langue, en d'autres langues. Les bagadabadabarabas. Chie de lebo yanda la gaye yanda la bos. Yeshua, yeah.
Yeshua. Yes, Lord. Oh, change l'atmosphère. Les bagailles de la volée. Shabagada bro. Yeshua, les bayons de la boue en de séquette les bros. Chana la bada bros. Les kayana la bacande les bayons de la bas. Seigneur, que les chaînes pesantes tombent. Que les chaînes pesantes soient brisées par ta puissance. Que les chaînes pesantes soient détruites au nom de Jésus. Et que les bons la bacande la bada bas. Libère ton peuple qui est venu t'adorer. Libère ton peuple qui est venu te chercher. Seigneur, fais grâce. Toi qui fais grâce à qui tu veux, fais-nous grâce. Toi qui fais miséricorde à qui tu veux. Toi qui es miséricordieux, fais miséricorde. Fais miséricorde ce matin. Que les chaînes pesantes tombent. Que les chaînes pesantes tombent. Shabarabado Shiketele bere bere be Handala baba baba sha Kete bere 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 Shibarabado. Yes, Lord. Oh, pri Yeshua. Yeshua, 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 nous t'invoquons, Yeshua, Yeshua. Lève ta main partout où tu es. Alléluia. Lève ta main. Le premier verset de Psaume 7, verset 15 à 16, déclare: celui qui creuse une fosse, c'est pour piéger son prochain. C'est pour qu'il tombe dedans. Mais la Bible dit: celui qui creuse un trou, pour que toi, enfant de Dieu, tu tombes dedans, lui-même tombera dedans. Qui a dit amen? Lève la main avec moi, nous voulons prier sur la base de ce verset. Quelqu'un dit avec moi: Père. Yes. Dis: Père céleste. Je t'invoque ce matin. Sur la base de ta parole. Quelqu'un dit: au nom de Jésus. En cette saison de pluie. Toute fosse. Tout trou. Qui a été creusé pour que je tombe dedans.
Fais-moi échapper à cela au nom de Jésus. Confirme ta parole dans ma vie. Fais-moi échapper au piège de mes ennemis au nom de Jésus. Tout piège qu'on a tendu devant moi dans ma famille, au travail, partout. Seigneur mon Dieu, toi qui fais échapper l'oiseau du filet de l'oiseau-leur, fais-moi échapper à tout piège de mes ennemis. Toi qui as délivré Joseph du puits dans lequel on l'a jeté, est-ce que tu peux crier « Oh Père !» Fais-moi échapper à tous ces pièges et que tous ceux qui ont creusé, ils tombent même au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bat tes mains, fais cette prière à l'Éternel. Tu seras délivré. Bat tes mains, bat tes mains, bat tes mains, bat tes mains. Prie, 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 prie. Yeshua. Est-ce que tu parles à Dieu? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu parles à Dieu? Oh, Yeshua. Prie, 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 prie. Les cravayons à la mort. Les cravayons à la mort. Les cravayons à la mort. Au nom de Jésus. Si tu crois que ton Dieu exauce les prières et qu'il vient de t'exaucer, acclame-le et pousse des cris de victoire. Amen. Amen. Lève ta main partout où tu es. Lift up your hands. Lève ta main partout où tu es. Lift up your hands. Chanalwa, je veux déclarer quelque chose. I declare. Dans ton lieu de travail. At your workplace. Tous ceux qui ont comploté, all those who plotted, ils ont tendu un piège, who trapped you, ils attendent que tu tombes dedans you to pour être envoyé. Ce matin, au nom de Jésus, je prie, j'annule cela au nom de Jésus. J'annule le complot au nom de Jésus. Je brise le piège au nom de Jésus. Seigneur, je déclare qu'un membre de cette église est libéré de ce complot. Qui a dit amen? Tu ne tomberas pas dans ce piège au nom de Jésus. Et on t'a lancé un sort. Et ce sort, c'est la maladie. C'est un trou de maladie qu'on a fait. On est en train de te pousser. Tu es en train d'arriver. Peut-être bientôt tu vas tomber. On veut que tu tombes malade. On veut que tu sois paralysé. On veut que tu sois alité. Je lève la main dans l'assemblée des saints. J'annule ce piège-là au nom de Jésus.
Que ceux qui ont creusé ce piège de maladie, la tombe à ta place. Au nom de Jésus. Quel que soit le piège, on ne peut pas tous les nommer. En tant que serviteur de Dieu, je lève les mains, je prie. Je déclare. Si seulement tu entends le son de ma voix, que le Seigneur exauce cette prière en ta faveur. Amen. Tu ne tomberas pas dans un piège qu'on a placé pour toi. Amen. Tu ne tomberas pas dans une embuscade qu'on a fait contre Amen. Toi. Amen. Tu ne tomberas pas dans un trou qu'on a creusé contre Amen. Toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Yes. Nahum 1, chapitre 1, verset 9. Lève ta main. Il dit, l'affliction ou bien la détresse ne paraîtra pas deux fois. Il y a des choses qui se répètent trop dans ta vie. Dis, Père, je refuse cela. Je refuse. Est-ce que c'est toi seul qui es sur la terre? Pour que cette chose-là, toujours c'est toi. Et puis c'est quand c'est mauvais, c'est toi. C'est pas quand c'est bon. Dis, oh Père, oh Père, je crie à toi ce matin. Crie à toi ce matin. Sur la base de ta parole. Sur la base de ta parole. Toutes les mauvaises choses. Toutes les mauvaises choses. Qui se répète dans ma vie, dans ma vie, dans mon existence, dans mon existence, dans ma famille, dans ma famille, les mauvaises choses, les mauvaises qui se répètent dans mon mariage, dans mon mariage, dans mon travail, dans mon travail, dans mes affaires, dans mes affaires, dans ma relation avec dans toi, relation avec toi, prenne fin, prenne fin, comme tu as dit, comme tu as dit. À ton peuple, à ton peuple, les Égyptiens que les vous voyez aujourd'hui, qui vous ont mis dans les corvées, en esclavage, qui vous ont réduit à rien, vous ne les reverrez plus jamais. Dis Père, ce matin, fasse que toutes les mauvaises choses, qui se répétaient dans ma vie, ne reviennent plus, ne reviennent plus. Pendant que je bats mes mains, je crie à toi, annule, 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 annule. Change l'ordre des choses, change l'ordre des choses, change l'ordre. Prie, prie, prie avec ton cœur, prie avec la foi, prie avec ferveur au nom de Jésus. Si tu pries, il annulera. Le Seigneur entend le cri de ses enfants. Il entend le cri des malheureux. Il entend le cri des enfants. Crie à lui, prie. Prie, 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 prie. Pri, 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 pri.
Alléluia. Je proclame la libération de quelqu'un qui a dit Amen. Je proclame l'exaucement de ta prière au nom de Jésus. J'annonce ta délivrance au nom de Jésus. Et alléluia. Quelqu'un dit, je suis libéré. Je suis libéré. Par la puissance de la parole. Par la puissance de la parole. Quelqu'un crie à haute voix avec assurance, je suis exaucé. Par le nom de Jésus. Amen. Qui croit en la prière? Amen. Et qui croit en l'exaucement de la prière? Amen. Qui croit en ce Dieu-là qui exauce? Acclame-le, 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 acclame-le. Voici un verset qui va te faire frémir. Projetez-moi Jérémie 22, 30, que papa a donné ce week-end. Jérémie 22, 30. Quand il a parlé de malédictions qu'on prononce, so when he spoke about curse that are spoken, et des malédictions qui sont écrites depuis des générations, and curse that are written from generations, on peut me lire ça bien, je lis rapidement. Ainsi parle l'Éternel. This is what the Lord says. Inscrivez ce homme privé d'enfant comme un homme dont, je dis ça ici, comme un homme dont les jours ne sont pas prospères. Record this man as if childless. Dieu dit écrivez. Who will not prosper in his lifetime. Wow. Il y a quelqu'un qui prétend vouloir prendre la place de, comment on appelle, David, sur le trône, ou bien la place de sa descendance. So someone tried to take over David, I mean, as he was standing to the throne. Dieu dit, c'est écrit. And God said, it is written. Donc écrivez, donc lisez ça pour vous dire, inscrivez ce homme comme privé d'enfant. Il n'aura même pas d'enfant qui va prétendre aller sur le trône. And record this man as if childless, a man who will not prosper in his lifetime, and has any child who will pretend to the throne. Donc on l'a inscrit comme privé d'enfant, il n'aura pas d'enfant. So he'll be childless. On l'a inscrit comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. And a man who will not prosper in his lifetime. Amen. Car Amen. Nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. For none of his offspring will prosper. None will sit on the throne of David and rule anymore in Judah. Frère, c'est comme ça que c'est écrit dans des familles. And this is how it is written. C'est comme ça que c'est écrit pour certaines personnes. And even for some people. C'est comme ça que c'est écrit pour certaines générations. I mean, written for some. Vous voyez, dans nos cultures, on a des générations, faire des générations. Les gens appartiennent à telle génération. And you belong to this. Ils ignorent les esprits qui sont derrière. And, ignore spirit behind. Les pactes qui ont été tissés. And the pact that has been, I mean, les choses qui ont été dites pour cette génération. For that generation. Inscrivez-le. And write il y a des gens, leurs noms sont écrits quelque part. Some people's name are written somewhere. Privé d'enfant. I mean childless. Tu n'auras pas d'enfant. You will not have any child. Privé de mariage. Tu n'auras pas de mariage. You will not be married. Privé de travail. You will not be working. Va magasiner tes diplômes. I mean, you may mais have tu n'auras pas de travail. Degree, but you tu travailles work. Un peu ici, tu n'es pas satisfait, tu laisses. I mean, you will work a little and you. Tu travailles un peu ici, on dit non, c'est bon, on n'a plus besoin de toi, tu you laisses. Work a little here, you are parce sad. Que c'est écrit quelque part. Because it is written somewhere. Mais je veux dire à quelqu'un, to tell someone, si nos péchés if our aussi sont écrits quelque part, are written somewhere, et la Bible dit, un livre sera ouvert, and the Bible say, a book et la vie opened, de chacun sera racontée. And everyone's life will be told, le péché de chacun sera lu. And the sin of everybody et la même Bible dit, and the same Bible pour tous say, ceux qui viennent à Jésus, le sang de Jésus efface, alléluia, efface les péchés. Nous voulons prier que le sang de Jésus efface tout ce qui est écrit sur nous quelque part. Quelque chose est écrit sur ton papa. Quelque chose est écrit sur ta mère. C'est le même sang qui coule sur tes veines. Il y en a d'autres, même des choses sont écrites sur toi. And some, even ton propre nom. Over your à cause d'un poste. Because of your position. À cause d'une position.
Because of your position. À cause d'un travail. Because of your work. À cause d'un marché. Because of a business. À cause d'une affaire. Because of a contract. À cause de la politique. Because of politics. On allait mettre ton nom quelque part. Your name has been on a enterré quelque part. You have been buried. Ou bien on a jeté dans l'eau. On a mis dans une bouteille quelque part. On l'a cassé. On a écrit. And they wrote. Il ne va jamais devenir président. He will never il ne va jamais president. Devenir avocat. He will never il ne va jamais devenir homme d'affaires. Il ne va jamais se marier. He will never marry. Il ne va jamais réussir. He will never prosper. Il ne va jamais enfanter. He will never have il ne va child. Jamais prospérer. He will never prosper. Mais quelqu'un dit le sang de Jésus. Jesus. Quelqu'un dit à haute voix le sang de Jésus. Parle plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus qui efface les péchés. Efface aussi toutes les malédictions écrites sur ma vie ou bien sur ma lignée. Quelqu'un dit, oh Père, ce matin, me voici devant ta face. Je crie à toi. Tout ce qui a été écrit sur moi, toute malédiction, toute mauvaise chose écrit sur ma vie, écrit sur la vie de mes enfants, au nom de Jésus, et qui est enterré dans un cimetière, dans un lieu désert, où j'étais au fond de la mer, et qui opère contre moi, qui travaille jusqu'ici, contre ma destinée, contre mon ministère, contre mes affaires, contre mon travail. Quelqu'un dit ce matin, par le sang de Jésus, je prie au Père que cela soit effacé et annulé. Effacé et annulé. Que cela soit effacé et annulé. Par le sang de Jésus, au nom de Jésus, bat tes mains, dis que cela soit effacé et annulé. Effacé et annulé. Prie, prie, prie. Et prie, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Il y a quelque chose qui va changer dans la destinée de quelqu'un. Il y a quelque chose qui va changer dans la destinée de quelqu'un. Jésus efface, que le sang de Jésus efface, que le sang de Jésus efface, que le sang de Jésus efface. Seigneur, efface ce qui a été écrit contre nos vies, contre nos destinées, par le sang de Jésus, 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 par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, invoque 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 le sang de Jésus. Partout, ils ont caché des choses écrites sur ta famille, des choses écrites sur ton travail. Oh, y'en a la baïonne. Que ça finisse. Car. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui s'en est levé.
Chandele Borian dans la banabana bro. Chaparabana Gondoli. Prie, parle à Dieu, prie. Je crie à toi. Alléluia. Je déclare la victoire de quelqu'un sur tout ce qui est écrit contre toi. Tout ce qui est écrit pour déstabiliser ta vie. Dieu te donne la victoire. Célèbre ton Dieu par des cris de victoire. Alléluia. Lève la main. Lève ta main. Lift up your hands. Partout où on a écrit, wherever it is written, tu ne seras pas élevé à un certain niveau aujourd'hui. That you shall not reach a particular level today. Je me tiens devant l'Éternel sur l'autel. I stand before the Lord and His altar. J'annule cette parole dans ta I vie. I cancel that word. Pas par ma propre force, but mais by my own strength. Par le moyen du sang de Jésus, j'efface. Que cela soit effacé. The Lord Amen. And the blood of Jesus, it is canceled. J'ai entendu des gens parler d'un truc qu'ils vont voir des marabouts pour faire. On appelle ça cadena. So I heard about people. Qui a déjà entendu parler de cadena? For padlock. On va entendre ton nom aux féticheurs. And they give your name to the. Il y a plein de personnes qui connaissent. Et puis on met ton nom, on attache fil rouge, fil blanc, and fil noir, fil n'importe quoi. Some things. Put your name on et puis on met padlock. Le cadena. Une fois que c'est fermé, ça bloque la vie de la personne. And when they close the padlock, your ça life is Ça marche chez les païens. Up. Mais même contre les chrétiens légers spirituellement, ça les prend. But I mean, it works with unbelievers. But even Christians who are very weak, it can work on you. Mais ce matin, but this morning, j'en appelle à la miséricorde de l'Éternel. I call upon the ce mercy matin, of the Lord. J'invoque le Dieu de grâce et de miséricorde. I call the merciful God. Qu'il fasse grâce à ceux qui sont faibles et qu'il les délivre de cela au nom de Jésus. And deliver them from Dieu aime ses enfants et il les délivre toujours. And God pendant que je déclare cela, la puissance de Dieu touche quelqu'un et il est libéré. La puissance de Dieu te touche et il te libère. La puissance de Dieu te touche et tu es libéré. Au nom de Jésus. The name of Jesus. On a écrit, on a enterré, on a écrit, on a jeté, on a mis dans des cercueils, on a fait. They did every sort of things. Ce matin, this morning, que ce soit ton nom, let there be que ce soit name, mon nom, even my partout name, ils ont mis, wherever they put le Dieu que nous servons, the il God est omniprésent. Is omnipresent. Il peut aller partout à la he fois. Can go everywhere. Que le sang de Jésus localise les May endroits et efface nos noms là-bas. I mean, que le sang de Jésus efface nos noms là-bas au nom de Jésus. And cleanse our name from there. Je prophétise que le nom de quelqu'un est effacé là-bas. Donne un vrai amen. Ton nom est effacé là-bas. Donne un vrai amen. Ton nom est effacé là-bas. Ton nom est effacé là-bas. Au nom de Jésus. Est-ce que tout le monde peut se tenir debout? Stand to your feet, please. Shadabros. Isaac a béni ses enfants. Isaac blessed his children. Ça en fait une déclaration et puis on a fini avec la prière et le culte. Isaac a béni ses enfants. Isaac blessed his children. Genèse 27, 39. Genesis 27, 20, Isaac répondit à ça. Isaac, son père, répondit, c'est ça? Et lui dit, voici. Isaac, son père, répondit et lui dit. His father Isaac answered him, saying. À Esaü. To Esau. Je redonne la référence. Hein? Genèse 27, 39. Genesis 27, 39. Et lui dit, voici, said,
ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Pourquoi? Your dwelling will be away from the earth's richness. Et de la rosée du ciel d'en haut. Away from the dew of heaven above. Parce que Jacob avait déjà pris toute la bénédiction. Because Jacob has taken it all, the blessing. Verset 40. Verse 40. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. You will live by the sword and you will serve your brother. Mais heureusement, il y a un échappatoire. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug du dessus de ton cou. But when you grow restless, you will throw his yoke. Cette prière importante. Off your neck. Si toi tu n'as pas été victime de cela, prie pour tes enfants. So if you have not been victim of it, pray for your children. Mais malheureusement, il y a des personnes ici. But some people, unfortunately, leurs parents les ont maudits. I mean, your parents curse you. Ta maman, your mother, out of bitterness. La base, ton papa, your father, par la colère, out of anger, l'amertume à cause d'une petite erreur. Because of a little mistake. Toi, you, toi là. You, tu vas voir. You see. Tu vas souffrir. You will suffer. Ton papa a dit que Dieu fasse grâce à de telles personnes ce matin. May qui a God dit amen. Je dis que notre Dieu ait pitié, say, fasse grâce à de telles personnes. Au nom de Jésus. The name of Jesus. Il y a des gens, on a dit ça dans ton dos, tu and sais pas. Some people, mais ça fonctionne. In your back, but it on works. A dit dans ton dos, mais ça, c'est le Père qui a ça fonctionne. But it works. Que le Seigneur te fasse grâce. Qui a dit amen? Je dis que notre Dieu fasse grâce ce matin. Que papa Dieu fasse grâce ce matin. Qu'il fasse miséricorde au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il dit, tu seras privé de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. Your dwelling will be away from the heavens' riches. Lève ta main. Quiconque a reçu une telle parole. Whosoever received such a word. Père, par ta grâce, Father, by your ce mess, matin, que morning, cela soit annulé dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Tu ne seras plus privé. You shall no more deprived. Tout ce dont tu as privé en parole par une malédiction, que le Seigneur ramène et rétablisse l'ordre. Anything that has been deprived from you in word or even through a curse, may the Lord bring it back to you. Pas parce que toi et moi nous méritons, mais à cause de sa grâce et sa Not faveur. Because we deserve it, but because of his favor and mercy. Tu vivras de ton épée et tu seras servi à ton frère. You will live on by the sword and you will serve your Ça brother. Veut dire il y a des gens on a dit sur leur vie tu vas souffrir. Some people they said C'est-à-dire you will suffer. Tant que tu te bats pas tu manges pas. As long as you don't struggle you will not eat. Et tout ce que tu fais dans la vie là tu luttes seulement c'est and pour manger. Everything you do c'est pas pour réaliser. Is to, c'est pas pour I mean, construire. You struggle to eat. Not to build, c'est pas not pour to, aider les autres. I mean, not to help others. Parce que tu peux même pas. Ça n'arrive pas. Ce matin, this morning, que ces paroles soient annulées sur may nos vies. Je dis que ces paroles soient annulées sur nos vies. Que ces paroles soient annulées sur nos vies. Quelqu'un dit avec moi, ce matin, this que toute parole de malédiction, malédiction soit annulée sur nos vies, sur ma vie, sur la vie de mon frère. Au nom de Jésus, les paroles de malédiction que j'ai entendu et les paroles de malédiction que je n'ai pas entendu mais qui agissent dans ma vie et contre ma vie. Quelqu'un crie oh Père aie pitié de moi, fais miséricorde, fais grâce et libère-moi. Dis au nom de Jésus trois fois. Au nom de Jésus et au nom de Jésus. Pousse des cris, dis je suis libéré. Acclame le Seigneur Jésus, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Bénis ton peuple, Seigneur. Bless the people of the Lord. Accomplis toutes ces paroles déclarées dans nos vies au nom Accomplish de Jésus. All these words that were spoken in our lives. Confirme ta parole de délivrance dans nos vies au nom de Jésus. Confirm your deliverance word in our life in the name of Jesus. Exauce nos prières. And answer our prayers. Merci. Thank you. Parce que tu nous as exaucés. Because you have nous te answered rendons our grâce. Prayers.
Parce que nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus. Toute l'assemblée dit trois fois Amen. 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 Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Moi, je crois que tu es libéré. I believe that you are set free. Quand tu pars d'ici, tu rentres dans une autre dimension. As you go out from here, you avec enter le Seigneur. A new dimension with the Lord. Amen. Amen. OK, prends ton offrande. Take your offering. Ce matin, this morning, nous passons aux dîmes et aux offrandes. So tithe and offerings. Sinon, selon l'ordre, aux offrandes et aux dîmes. Hallelujah. Amen. OK, on peut donner le micro de derrière au pasteur Dieu qui va prier pour les offrandes. Lève ton offrande, recevons la bénédiction sur nos offrandes et puis nous allons venir dansant, célébrant Dieu donné avec joie. Alléluia. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette offrande que par la rosée céleste, l'Éternel touche les œuvres de vos mains. Alléluia. La paix du Seigneur vient contre chaque force et chaque signe qui veut prévaloir contre vous matin, midi, le soir. Seigneur, merci que le sang de Jésus a franchi les finances de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nos offrandes sont bénies. Pour éviter le cafouillage, on va venir par derrière. Venez rapidement, n'hésitez pas. Vous hésitez trop souvent, vous attendez qui va venir en premier. Mais dansez, célébrez et bénissez le Seigneur. Viens en dansant. Dans le ciel, notre avocat est le rocher de notre vie, dit notre espoir dans le combat, c'est Jésus le roi des rois, il est dans le ciel, notre avocat, le rocher de notre foi, notre espoir dans les combats, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus le roi des rois. Il est dans le ciel notre avocat. Le rocher de notre. Oui, la victoire est possible si nous marchons par le. Ainsi psalmodie les anges. Alléluia. Alléluia. La victoire. La victoire. Bonne nouvelle pour tous nos abonnés qui nous suivent ici et ailleurs. Vous souhaitez envoyer vos dîmes et vos offrandes en ligne? Nous vous donnons la possibilité de les faire par nos différents moyens de paiement en ligne que sont Orange Money 07 88 11 70 11 MTN Mobile Money 05 94 80 10 10 CIB, Association Ministère de la Foi Chrétienne, le code est inscrit. Western Union, nom, amant, prénom, Louis. Contact, 07 77 54 92 46. Toute autre information supplémentaire, veuillez nous contacter au 07 09 15 51 79 ou au 05 56 77 47 74. Car ma victoire, c'est Jésus.